Genre tu chantes le délire et tout, et moi je suis comme ça, et je fais le langage des signes, après voilà. Mais tu parles bien en langage des signes. Ouais, je parle, je fais du langage, après j'ai un accent, j'ai un petit accent, mais ça reste du langage des signes. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. D'accord. T'as pas fait genre une branlette à la fin? Ça veut dire quoi la branlette en langage des signes? Branlette, c'est aimer. Pour moi, le langage des signes, c'est le langage universel. Si on n'avait pas les mots, on aurait forcément les signes. Et les signes, au final, ça reste des mots, avec les mains. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle n'a pas bien entendu. Il y a encore une branlette dedans, du coup. Les gars, c'est le langage des signes. D'accord. Parce que moi, ce qui me fait flipper là-dessus,